Francesco. Voici celle qui attend les faveurs du public, Magdalena Breska. À la corde cette fois. Exercice qui nous a rappelé par moments et qui rappellera peut-être à certaines des jeunes téléspectatrices qui nous suivent les sauts à la corde de leur enfance. Oh là, ma chère Valérie, je crains que les juges n'aient un regard un petit peu sévère là. Oh, c'est normal. Ils appuyaient, vous l'avez peut-être vu brièvement, ils appuyaient sur des touches d'ordinateur, des touches informatiques. Il ne s'agit surtout pas de se tromper. Il ne s'agit pas de prendre un 9 pour un 8 et réciproquement, car sinon, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière sur une note accordée. Il faut bien réfléchir et bien regarder sur quoi on appuie. Voilà, et disposer d'une bonne vue également, ce qui est tout de même le moins qu'on puisse demander à les juges. Mais il faut dire qu'il y a eu dans le passé quelquefois des petites surprises de ce point de vue. 8e place tout de même pour Magdalena.